allez tous bien. Oui, les gilets jaunes sont sortis également en force aujourd'hui, ils sont un peu partout. Enfin, les êtres humains qui enfilent des gilets jaunes. J'aime pas trop dire les gilets jaunes. Salut John, merci beaucoup, grosse bise à toi. Et ouais. Voilà, continuez de partager, vous êtes 4500 maintenant sur le live, partagez pour que Vécu soit visible. Notre reportage tout au long de la journée aujourd'hui. J'ai racheté un stabilisateur pour l'occasion parce que l'autre était cassé. Les gens un petit peu enfin, sortir. Après, j'ai le reproche que je te fais. À moi ? Ouais. Ouais. On va vous parler il y a assez peu d'interviews et je suis pas assez contact avec toi. Ouais, ouais. Contact. Ouais, mais. Ben... Si tu veux. Et bon, j'étais très militant, peut-être trop militant. Je fais les trucs à ma sauce et je veux pas de carte de presse. Parce que pour moi, les journalistes avec des cartes de presse aujourd'hui, ils font plus leur travail. Bah ouais, si, par contre, ils servent, ouais, il y en a, mais bon, ils sont cachés par le système. Je pense que ça, c'est mon opinion. Et quand je fais pas d'interview, c'est que je suis de mauvaise humeur et que j'ai pas envie de parler avec les gens. Mais on en fait beaucoup, hein. Aujourd'hui, quand ils vont des événement polémique, c'est évident, mais je parle de l'événement des flics aujourd'hui. On va interroger les gens, notamment les flics. Bah, les flics, ils ont un droit de réserve, ils répondent jamais. Jamais. Ils se foutent de notre gueule, ils nous renvoient chier, c'est tout ce qu'ils font. Ils ont pas le droit de parler, donc ça s'arrête là, et puis ils veulent pas perdre leur boulot. Bah, donc là, on voit des mouvements à l'intérieur de la masse. On va voir par où ça se dirige. C'est par où elle part? Elle part par là? Ouais, là-bas. Bastille. Ouais, Bastille. Bon, ça part à Bastille, je pense. Ouais, Bastille, ouais. Là, il y a des petits mouvements, on va voir. On va attendre encore un petit peu. Bah, on chante tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça marche. Ouais, j'ai eu de la chance avec mon prénom. Ah ben oui. La manifestation partirait en face là-bas. D'ailleurs, je vais bouger, moi, je pense. Thank you.
continuez de partager, il faut 10 000 partages sur ce live. Allez-y, tartinez, balancez-le partout. Ouais, c'est en train d'avancer, j'ai l'impression là-bas. Ouais, ça avance. Canon à eau en face là-bas. De la République pleine ici. Il y a en direct pour vécu, pour la marche des libertés ici à Paris, place de la République. On est en juste sur la statue, ce qui nous permet d'avoir une vue panoramique et globale. Voilà, la place est pleine. Hein. Allez, vous êtes bientôt 5000 sur ce direct. Et continuez de partager. Allez-y, tartinez partout. On va suivre la manifestation toute la journée ensemble. Pour dire non à l'impunité policière notamment, mais la colère est grande en France. Les gens en ont marre de beaucoup de choses. Et ils le disent. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu cette histoire avec Michel, le producteur, qui s'est fait tabasser à cause de son masque au départ. Ça m'a fait penser à nous dans le train avec Noémie et Lola. Au début du port obligatoire du masque, quand on s'est fait sortir, mise en garde à vue, etc. Maltraité par la police, on est accusé également par la police. Et la seule chose qui peut nous sauver, entre guillemets, on passe au tribunal le 8 décembre, on a refusé l'accord d'amende, ils voulaient nous mettre une amende et qu'on accepte notre culpabilité. On a refusé et on a dit on va au tribunal. Et du coup, bah voilà, cette histoire, même si nous on ne s'est pas fait taper dessus, parce qu'ils ont bien vu qu'on filmait, donc ils ne pouvaient pas non plus nous tabasser, etc. Et puis peut-être parce qu'on n'est pas noir, donc ils avaient peut-être pas envie de nous tabasser autant. Mais en tout cas, on a eu quasiment un traitement similaire pour le masque, sans raison. Et donc cette histoire, elle a fait écho un petit peu à notre histoire au mois d'août, là, en rentrant de vacances avec la petite. Donc on passe au tribunal le 8 décembre et au final cette histoire va peut-être même nous aider un petit peu parce que le début du problème c'est la même chose, c'est la personne n'avait pas son masque, alors on se permet de tout et n'importe quoi. Voilà, donc soutien à ce monsieur qui s'est fait martyriser pour rien, soutien à sa famille et je crois que beaucoup de gens soutiennent. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on voit ici. Alors cette manif, c'est la marche des libertés. Donc voilà, c'est pour défendre les libertés. Et ce qui a favorisé le monde aujourd'hui, c'est cet événement avec Michel, le producteur de rap, là, qui s'est fait défoncer. La vidéo qui a fait des millions et des millions de vues un peu partout. Tout le monde a repris. Ouais, l'image est floue, c'est normal, c'est parce que le réseau va commencer à être compliqué, il y a beaucoup de monde. Donc c'est normal que le réseau soit un petit peu flou. Je vais faire au mieux. Mais ça va aller mieux, hein. ça bouge le réseau. Partez.
Tu peux faire le tour de l'autre côté sinon si tu veux. Et ils mettent le drapeau algérien. Vive le Sahara libre, estamos aquí para revendicar nuestro derecho. Enlever le masque, on parle, si tu veux, on t'entend mieux. Désolé. Non, tu peux, si tu veux. Viva la lucha del pueblo saharaui. Viva la lucha. El pueblo. El pueblo saharaui. Será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Avec le chant derrière, c'est bon. Nico, personnes sur le live, merci à tous de nous suivre ici en direct de la statue de la République. N'hésitez pas à partager partout. C'est vécu, médias indépendants. Si tu veux dire quelque chose, j'ai 5000